Bonjour. Écoutez, bienvenue dans cette session consacrée aux inégalités et à la redistribution. Donc, je remercie beaucoup les organisateurs du Printemps de l'économie de nous donner l'occasion d'avoir un débat sur ce sujet, débat qui s'annonce extrêmement intéressant. Peut-être juste deux mots d'introduction. On va parler d'inégalité. Alors, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, mais dans la distribution économique, il peut y avoir un certain niveau d'inégalité, notamment d'inégalité de revenus à l'issue de l'activité productive. Et dans nos sociétés, on a toute une série de mécanismes pour assurer de la redistribution et qui vont corriger ou pas en partie ces différentes inégalités. Donc c'est pour explorer ce qu'on peut dire de ce niveau d'inégalité, des différents mécanismes de correction des inégalités qui existent dans les différents pays, où en est la France, quels sont ces différents mécanismes, ce sont les thèmes que nous allons explorer pendant l'heure qui vient. Donc avec une série de présentations par nos intervenants que je vais introduire au fur et à mesure de leurs interventions et peut-être un petit rappel qui est que vous pouvez poser des questions en ligne et on aura une session de questions-réponses à la fin de la présentation. Mais donc sans plus attendre, je propose de donner la parole à Orsetta Causa pour nous faire une première présentation qui est à l'OCDE. Responsable de l'équipe Marché du Travail et Inégalité, pour nous faire un petit panorama de ce qu'on sait dire sur, qu'est-ce qu'on sait dire sur les inégalités dans les différents pays de l'OCDE. La parole est à toi, Orsetta. Merci et bonjour à tous. Alors, je voudrais vous mettre en perspective un petit peu ce qu'on entend par inégalité et surtout le fait que les inégalités ont de multiples visages. Donc c'est pour ça que j'ai appelé cette présentation « Les différentes facettes des inégalités, une mise en perspective internationale ». Donc, en fait, je vais commencer par quelque chose que... Je vais commencer par un concept... Excusez-moi. Si tu peux commencer à nous dire quelques mots, un petit support qui servira dans quelques minutes. Donc, le premier aperçu des inégalités que j'ai envie de vous montrer, que je vais vous montrer dans quelques minutes, c'est les inégalités qui sont, on va dire, monétaires. Et donc, une première mise en perspective sur une mesure simple. La part du revenu détenue par les 10% les plus riches de la population et la part de la richesse nette, c'est-à-dire nette des dettes, détenue par les 10% les plus riches de la population. Et en fait, voilà, c'est ce que vous avez sous les yeux. Donc, dans ce chart, dans ce graphique, j'ai mis en abscisse la part du revenu des 10% les plus riches classée par le revenu et en ordonnée la part de la richesse des 10% les plus riches classée par la richesse, par le patrimoine. Deux choses à voir. Bon, la première, c'est qu'il y a de fortes disparités dans les pays de l'OCDE que j'ai mis ici. Au niveau du revenu en moyenne dans les pays qui sont ici, la part des 10% les plus riches est de environ 24%. Mais vous voyez bien que ça varie de un peu plus de 20% en Belgique jusqu'à plus de 30% aux États-Unis. Et après, en ordonnée, regardez le patrimoine. Le patrimoine... En moyenne, la part du patrimoine détenu par les 10% les plus riches, ce n'est pas 24%, c'est 51%, autrement dit le double. Donc, non seulement les inégalités sont très différentes entre pays, mais aussi les inégalités de richesse sont beaucoup plus fortes que les inégalités de revenus, parce que le revenu s'accumule autour du temps et le revenu crée du patrimoine. Donc, le patrimoine est beaucoup plus concentré, il se transmet de génération en génération. Par exemple. Et dans cette image, on voit que la France, elle est dans une position moyenne, c'est-à-dire elle est environ à 25-24% pour le revenu et environ à 51% pour la part de la richesse détenue par les ménages les plus riches. Et évidemment, vous voyez la position très, très marquée
tout en haut à droite des États-Unis, où on est à 30% pour le revenu et à quasiment 80% pour la richesse détenue par les ménages les plus riches. Voilà, ça, bon, ce sont les aspects, voilà, on va dire monétaires, qui sont assez connus hein, dans le discours. Mais en fait, les inégalités, ce n'est pas que ça. Les inégalités, c'est plein de choses. Hein, et beaucoup des inégalités ont lieu, naissent et se perpétuent aussi sur le marché du travail. Et ici, j'ai mis deux images. La première, c'est l'écart salarial entre les hommes et les femmes, qui est une forme d'inégalité sur le marché du travail, qui a aussi des conséquences à long terme, par exemple sur le taux de pauvreté des femmes. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'écart salarial entre hommes et femmes, donc en pourcentage, alors déjà, vous allez voir, j'ai mis deux années, donc en 2010 et 2022, il a eu tendance à diminuer, ce qui est une bonne chose, mais il reste quand même très important, d'environ presque 15% en moyenne dans les pays de l'OCDE et jusqu'à plus de 30% en Corée, mais par exemple, il est très très bas en Belgique. La France, elle est plutôt bien placée de ce point de vue-là, entre guillemets, bien placée, à environ 10%. Cela dit, il y a eu justement une étude de l'INSEE dernièrement qui montre qu'une fois qu'on contrôle pour un certain nombre de facteurs qui sont corrélés à ça, par exemple l'occupation, l'industrie où travaillent les femmes, cet écart, il va diminuer à environ, je pense, 4%. Donc, bon, mais ça, ça va arriver dans les autres pays aussi, donc c'est une perspective comparative. Ensuite, un autre facteur d'inégalité sur le marché du travail qui est pour le coup vraiment marqué en France, c'est le taux de chômage ou le taux d'emploi, mais ici j'ai mis le taux de chômage selon l'origine migratoire. Donc ici, ce que vous voyez dans le graphique à droite, c'est le taux de chômage des natifs versus le taux de chômage des individus qui sont nés à l'étranger. Et pour rendre cette comparaison plus harmonisée d'une certaine façon, j'ai voulu regarder uniquement les travailleurs de qualification intermédiaire. D'accord ? Donc ce n'est pas le plus bas, ce n'est pas le plus haut, pour le rendre un peu comparable. Et là, vous voyez qu'il y a quand même des écarts qui sont assez forts, voire très forts, entre le taux de chômage des natifs et des migrants. Et là, par exemple, vous voyez la France, on est à quasiment 15% pour les migrants, pour environ, je ne sais pas, 7% pour les natifs. Donc c'est quand même très important et on peut mieux faire hein, si on se compare à d'autres pays. Par exemple, dans ce cas-là, bon, c'est une moyenne évidemment, les États-Unis est un grand pays, mais enfin quand même, le taux de chômage entre les natifs et les nés à l'étranger, il est de la même ampleur. Voilà. Alors, la redistribution, c'est un des thèmes de cette session. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que la redistribution, c'est un outil fondamental pour réduire les inégalités. La redistribution, c'est les taxes et les transferts. C'est le rôle des taxes et des transferts dans la redistribution du revenu primaire sur le marché du travail, sur le marché du capital, jusqu'à arriver au revenu disponible des ménages. D'accord ? Donc, de combien les taxes et les transferts vont réussir à diminuer les inégalités générées par le marché, on va dire pour simplifier. Donc dans cette image, ce que vous allez voir à gauche, le coefficient de Gini, qui est une mesure habituelle chez nous les économistes des inégalités. Et en fait, plus il est proche de 1, plus c'est inégalitaire, et à 0, ce serait super égalitaire. Donc là, les pays, vous allez voir l'inégalité avant et après taxes et transferts en termes de coefficient de Gini. Et puis, le petit carré en haut, le petit losange en haut, pardon, vous mesure la redistribution qui est sur l'axe de droite en pourcentage. Donc de combien en pourcent la redistribution par les taxes et transferts diminue les inégalités. Et là, effectivement, on voit par exemple dans le cas de la France est un pays très redistributif à l'aune de cette mesure. On est à quasiment 35% de réduction des inégalités marchandes aux inégalités de revenus disponibles. Ceci pour la population en âge de travailler. Donc c'est quand même un rôle qui est extrêmement important. Évidemment, il y a des pays qui sont encore plus redistributifs, mais malgré tout, la France est bien au-dessus de la moyenne des pays européens et de la moyenne des pays de l'OCDE. Mais
probablement que la redistribution ne suffit pas à contrer des inégalités qui sont des inégalités fondamentales, qui sont ancrées dès le plus jeune âge, et qui sont les inégalités de chance ou les inégalités d'opportunité. Et ça, c'est vraiment un problème en France, plus que dans beaucoup d'autres pays aussi riches et avancés que la France, et qui rend peut-être le système et la perception du système injuste. Donc, ici, dans ce graphique, il a la même présentation que le précédent, mais la mesure n'est pas du tout la même. On regarde la performance des élèves à l'épreuve PISA, donc une épreuve qui est faite sur la base d'étudiants d'environ 15 ans dans les écoles, par le CDE. Et donc l'écart entre la performance du premier et du dernier quartile des étudiants, des enfants, en fonction du statut socio-économique de leurs parents. D'accord ? Donc en fait, la différence entre la flèche et le losange va vous montrer l'écart entre la performance des enfants ou des adolescents qui viennent de milieux favorisés et ceux qui viennent de milieux défavorisés. Et cet écart est particulièrement important en France. Il n'y a quasiment que aux États-Unis et en Grèce où il est plus important. Et les pays typiquement asiatiques font mieux, de même que d'autres pays anglo-saxons. Et voilà, je tiens à souligner cet aspect. Je pense qu'il est absolument fondamental quand on réfléchit aux inégalités en France. Et en fait, ceci explique peut-être cela, c'est-à-dire que lorsqu'on demande dans des enquêtes d'opinion si les gens... Voilà, je pense qu'on va y arriver. Lorsqu'on demande dans des enquêtes d'opinion comment est perçue la redistribution, eh bien, les Français se classent parmi les populations qui perçoivent la redistribution, qui ne perçoivent pas très bien la redistribution, on va dire. Elle n'est pas perçue comme équitable. Là, sur ce chart, vous avez la proportion de personnes interrogées qui sont d'accord ou pas d'accord avec l'affirmation « J'estime que je reçois une part équitable des prestations publiques compte tenu des impôts et des cotisations sociales que je paye ou j'ai payé dans le passé. » Bon, en pourcentage. Et donc là, on voit qu'en France, quasiment à la moitié des interrogés, 50% de la population, est pas d'accord. C'est-à-dire, la perception de la redistribution, elle est quand même pas très très bonne, à l'aune de ce qu'on a vu, c'est-à-dire une redistribution comparativement beaucoup plus forte que dans d'autres pays, par les taxes et transferts, mais avec ces inégalités d'opportunités particulièrement marquées. Et donc, ce que je voudrais proposer comme interprétation, c'est justement de mettre en perspective ces deux choses, et peut-être que cette question des inégalités des chances qui est vraiment fondamentale et qui crée un sentiment d'injustice, y compris d'injustice fiscale. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Orseta, pour ce premier panorama. Désolé pour les bugs. Je vous propose de continuer à explorer les forces et les faiblesses de ces systèmes redistributifs avec peut-être un focus un peu particulier sur le système de retraite, qui est quand même un puissant outil de redistribution entre générations. Donc on a à la fois des jeunes générations devant cette audience, d'autres un peu plus chenues. Et donc, comment fonctionne le système redistributif? C'est une question sur laquelle Elvire Guillot, chercheuse à Paris 1 et au LIEP, va nous apporter quelques éclairages. Elvire, je te laisse la parole pour un petit panorama sur ce fonctionnement, cette illustration sur une politique particulière de l'ampleur et de l'efficacité du système redistributif. Oui, bonjour, merci beaucoup, merci d'avance de gérer les slides à distance, parce que je crois que ça ne marche toujours pas. Je vais quand même essayer de ne pas vous assommer de graphiques, mais je voudrais vous parler un petit peu plus de la redistribution. Orseta nous a présenté les différentes facettes des inégalités et nous a montré à quel point on a une grande diversité internationale. Et toujours en comparaison internationale, moi je m'intéresse à la manière dont on redistribue. Il y a plusieurs outils pour redistribuer, pour lutter contre les inégalités. Il y a deux grands outils qu'on connaît, les taxes et les transferts. C'est très large, dit comme ça. Dans les taxes, je regarde notamment ici
l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, les prélèvements sociaux qui sont pris sur les salaires. Ça, c'est une manière de redistribuer, dans le sens où, à partir du moment où vous taxez, vous prélevez des impôts ou des cotisations, vous êtes déjà en train d'affecter la distribution des revenus. Et puis, la deuxième manière de redistribuer, qui vient peut-être plus naturellement en tête, c'est justement de donner aux populations qui sont les identifiées comme en ayant besoin. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les transferts sociaux. Dans les transferts sociaux, vous connaissez certainement plusieurs transferts sociaux. Vous connaissez les retraites, vous connaissez les allocations chômage, vous connaissez les allocations familiales peut-être, les APL, c'est pour le logement. Il y a tout un tas de transferts sociaux, comme ça le RSA aussi, si j'élargis un peu, qu'on connaît tous et qu'on a l'habitude de côtoyer même au quotidien. Une autre manière de redistribuer, si je termine cette image, c'est à travers les services publics, mais ça je laisse mes collègues en parler tout à l'heure. Donc moi ici je regarde que la redistribution monétaire, et j'ai sorti des transferts sociaux les pensions de retraite pour vous montrer à quel point est-ce qu'elles sont importantes dans ce système, à quel point est-ce qu'elles réduisent les inégalités. En rouge, c'est la France, et puis ensuite, c'est un échantillon de pays de l'OCDE. Et donc, je vous décris la France sur 17 points de Gini réduits grâce au système socio-fiscal que nous avons en France. 7 points sont réduits grâce aux taxes. Et puis ensuite, on a 4 points grâce au transfert hors pension et 6 points grâce aux pensions. Et donc, le message de ce graphique, c'est que les systèmes de retraite, et notamment les systèmes de retraite par répartition, comme nous avons en France, qu'on oppose au système par capitalisation, sont extrêmement redistributifs, autant que les taxes et même plus que les transferts hors pension. Donc voilà, c'est pour vous montrer une illustration, une manière de mesurer ce que tu disais, Orsetta, c'est-à-dire qu'on réduit quand même les inégalités d'un tiers en France grâce à la redistribution monétaire. Comment est-ce que ça se décompose entre ces trois outils ? Bon, mais comment est-ce qu'on peut faire justement pour que ces systèmes de redistribution, dont on voit qu'ils peuvent être extrêmement puissants, puissent jouer leur rôle et être à même de corriger ces inégalités? Qu'est-ce qu'ont les enseignements de tes travaux sur le sujet? En fait, quand on fait de la comparaison internationale, on se rend compte assez rapidement que les pays qui réduisent le plus les inégalités sont les pays qui mettent le plus de moyens dans ce système de redistribution. Alors, dit comme ça peut paraître un peu creux et un peu facile, mais en fait, c'est pas inutile de le rappeler, parce qu'on peut se dire il suffit de bien cibler, les plus pauvres, ceux qui en ont le plus besoin. Il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens, il y a besoin d'être efficace. On nous parle beaucoup d'efficacité du système de redistribution. La réalité est plus simple que ça. Plus vous mettez de moyens, plus vous y arriverez. Et voilà. Et donc, il y a vraiment un effet d'enveloppe qui est très important. Et du coup, le débat public, je crois, surtout en France, tourne beaucoup autour de cette question de savoir comment dégager des marges de manœuvre, comment obtenir des marges de manœuvre pour continuer à lutter contre les inégalités ou pour accentuer la lutte contre les inégalités. Et en fait, si la réponse est il faut plus de moyens, pour avoir plus de moyens, il faut plus prélever, il faut augmenter les prélèvements. Et puis, il y a les comparaisons internationales nous enseignent également qu'en réalité, quand on regarde du côté des prélèvements, si les pays qui concentrent leur système de taxation sur uniquement les plus riches sont en fait des pays qui n'arrivent pas à obtenir beaucoup de moyens. Et les pays qui ont le plus de moyens sont ceux donc qui obtiennent le plus de recettes fiscales, le font en taxant tout le monde.
Alors ça ne veut pas dire qu'il faut taxer tout le monde et ne pas taxer les riches ou ne pas augmenter la taxation sur les riches, bien sûr. Il y a beaucoup de débats là-dessus et c'est un vrai sujet au niveau européen. Mais ça veut dire que ça ne remplacera jamais la taxation que l'on peut faire sur l'ensemble de la population qui, elle, est très, très efficace en termes de recettes fiscales et permet donc d'obtenir une large enveloppe pour toutes dépenses qu'on va en faire, pour faire de la redistribution monétaire comme je vous ai montré tout à l'heure, ou pour alimenter des services publics de qualité. Et je termine sur un petit exemple avant de laisser la parole, que je trouve très parlant quand on compare les systèmes de santé, par exemple en France et aux États-Unis. On n'a pas la sensation qu'en France on est moins bien doté qu'aux États-Unis. Si on est malade en France, on sera soigné. Si on imagine un cancer ou une maladie lourde, on sera soigné a priori tout aussi bien qu'aux États-Unis. Et pourtant, quand on regarde le coût du système américain, pour chaque citoyen américain, c'est 22 euros par jour. En France, c'est 11 euros par jour, le système de soins français. Quand je cumule système alimenté par le public et système privé. Même chose aux États-Unis, c'est essentiellement privé, on le sait. Mais voilà, donc c'est opposer ces deux pays est intéressant parce que le système français, on a une assurance sociale publique. Le système américain, on a des subventions plutôt pour des assurances privées. Donc on est sur des systèmes qui sont très très différents. Et le résultat des courses, c'est que pour le citoyen, ça coûte moins cher en fait. Le système français coûte deux fois moins cher et je crois que c'est un exemple qui est intéressant de garder en tête quand on fait des comparaisons internationales. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Elvire pour ce panorama et ce rappel du poids de la santé. Ça me donne l'occasion de proposer d'élargir un petit peu la focale. Les questions de santé, d'éducation ne sont pas forcément dans la redistribution monétaire, qui est celle qui a été évoquée, mais elles peuvent être prises en compte dans une vision un peu élargie de la redistribution, et c'est notamment ton sujet d'intérêt, Jean-Marc Germain de l'INSEE. Qu'est-ce que on voit en examinant ces questions de redistribution sous l'angle de, par exemple, du niveau de diplôme ou sur ces questions finalement de services publics? On a quand même grande part d'étudiants, donc j'imagine que cette question comment est-ce que le système éducatif aussi participe à la redistribution sont des sujets qui peuvent vous intéresser les uns et les autres. Mais je te laisse la parole pour examiner un peu cette question-là. Oui, bonjour à toutes et tous d'abord. Peut-être avant d'en venir d'ailleurs à cette redistribution qu'on appelle élargie, sur laquelle on travaille depuis quelques années à l'INSEE, c'est-à-dire on a parlé des impôts, des différentes formes d'impôts. On a aussi parlé des prestations monétaires, comme les allocations logement, comme le RSA. Mais une autre contrepartie très importante de l'impôt, c'est le service public qui est gratuit ou essentiellement gratuit. C'est la question de l'éducation et de la santé. Donc quand on étudie la redistribution, et notamment quand on s'intéresse à ce paradoxe de comprendre pourquoi il n'y a pas d'adhésion en général des populations de l'OCDE, mais en particulier de la France, eh bien, il faut regarder à quoi sert l'impôt dans toutes ses dimensions et donc intégrer tous ces services publics qui sont gratuits en France et qui peuvent l'être plus ou moins dans d'autres pays. Mais avant d'en venir à ça, si on peut montrer la première diapositive, je voudrais revenir sur ce qui se passe avant la vie professionnelle. Je vais vous montrer un peu comment, en intégrant tous ces éléments-là, on va recevoir comme salaire et revenu du patrimoine tout au long de sa vie, et puis comment la redistribution va changer cette répartition initiale. Je ne sais pas si on voit la première diapositive, la deuxième. Et Orsetta avait terminé là-dessus. C'est commençons d'abord sur comment ça se passe entre les parents et les enfants. À l'INSEE, on étudie en comparant la catégorie socio-professionnelle des enfants avec celle des parents, et aussi à la fin du système scolaire, le plus haut niveau diplôme obtenu en fonction
de la catégorie socio-professionnelle des parents. Et vous voyez que si vous êtes enfant d'ouvriers non qualifiés, vous avez 12% de chances d'obtenir un diplôme de niveau Bac plus 3 ou équivalent dans l'enseignement technique ou professionnel, alors que quand vous êtes enfant de cadre ou d'enseignant, vous avez de l'ordre de 65%, les deux tiers, c'est-à-dire 6 fois plus de chances d'obtenir ce diplôme. Donc il y a une vraie reproduction des inégalités en France. On a vu qu'on était dans les pays les plus mal classés. Bon, il y a des discussions. À l'INSEE, on a des études qui montrent qu'on est plutôt dans la moyenne. Mais cette moyenne est de toute façon basse dans la plupart des pays de l'OCDE. Et donc, 6 fois plus de chances en fonction de la situation sociale en termes professionnels de vos parents. Et si on regarde le bac plus 5, c'est fois 10. Donc, il y a un sujet majeur en France qui est que le système éducatif, qui donne sa chance à chacun, mais pour plein de raisons sur lesquelles on pourrait revenir, qui sont liées aux conditions dans lesquelles l'éducation peut se faire. Il y a des études qui montrent que c'est de la petite enfance qui se joue et que les pays qui investissent énormément, notamment au niveau du préscolaire, dans les crèches, obtiennent de bons résultats. Mais ça se joue aussi dans le logement, parce que par exemple, on pourrait avoir, en fonction de la situation sociale de ses parents, un logement qui est surpeuplé. Et donc, on a un système qui reproduit les inégalités et une question majeure à régler sur ce point. Mais mon deuxième message, c'est que la redistribution, ça a été dit avant moi, mais en France, elle est extrêmement puissante. On a cité le chiffre d'un tiers des inégalités qui sont réduites si on prend en compte tout ce qui est monétaire, mais si on rajoute la gratuité, passez à la slide suivante, s'il vous plaît, si on rajoute tout ce qui est les services publics gratuits, alors à ce moment-là, on réduit de moitié les inégalités. Vous avez sur cette diapositive une espèce de fiche de paye de ce que pourraient être vos revenus en moyenne par an tout au long de votre vie, selon que vous êtes sans diplôme, c'est la colonne de gauche, ou un diplôme de niveau Bac plus 3 ou plus. Ça vous dit que vous toucheriez, en intégrant ces éléments de gratuité, en leur donnant une valeur monétaire, à peu près 20 000 euros, c'est en bleu en haut, si vous êtes sans diplôme, et 61 000 euros si vous avez un diplôme de niveau Bac plus 3 ou plus, c'est fois 3,2. Et puis ensuite, si on rajoute tout ce qui est les prestations, donc les allocations monétaires, la gratuité des services publics, qui représente, c'est la deuxième barre rouge que vous voyez, 15 500 euros pour une famille dont chef de famille est sans diplôme et 10 000 euros pour une famille dont chef de famille est de niveau Bac plus 3 ou plus. Vous avez la ligne retraite en dessous, 6 500 euros d'un côté, 13 000 de l'autre. D'ailleurs, si vous faites la somme de tous les plus, c'est à peu près la même chose. On touche plus d'aide sociale, on bénéficie plus de services publics quand on a un diplôme plus faible, mais la retraite est plus élevée quand on a un diplôme plus élevé, puisqu'elle est proportionnelle au dernier salaire. Mais vous faites la somme de tout ça, ça donne, sauf erreur, 26 500 euros des deux côtés en plus. Et ensuite, vous avez tout ce qui est impôt. Vous avez l'impôt sur le revenu, la CSG, ça c'est classique de le prendre en compte dans les travaux. Vous avez les cotisations sociales, c'est la deuxième barre. Mais vous avez aussi ce qui est plus rare, nous prenons en compte ce qui est la TVA, et qui représente beaucoup, notamment chez les ménages les plus modestes. On dit souvent qu'il n'y a pas d'impôts qui sont payés par les ménages les plus modestes. Ben, vous voyez, pour ceux qui sont le plus bas dans mon graphique, il y a 11 500 euros par an d'impôts et taxes et cotisations de toute nature qui sont payés. Mais bien sûr, les plus aisés payent plus. Et donc, quand vous arrivez à ce qui reste, ce qu'on appelle le revenu élargi, dont une partie est reçu en nature par les services publics, le rapport est plus que de 1 à 1,5. Donc on passe de 3,2
à 1,5 de rapport entre ces deux catégories de diplômes. Donc les inégalités sont réduites par deux par le système de transfert. Donc si on résume un peu le paysage que j'ai essayé de tracer, forte reproduction des inégalités, même si on est un pays d'égalité des chances, on paye de plus en plus, mais très peu, ces études, notamment supérieures, contrairement à bien d'autres systèmes. Mais en même temps, un système redistributif qui fait que ces inégalités initiales de diplôme se traduisent par des inégalités de conditions de vie qui sont bien plus faibles. Et puis, dernier point, si on peut passer la diapositive suivante, si on essaie de représenter ensuite ce qui se passe tout au long de la vie, donc j'obtiens mon diplôme, et ensuite comment mes revenus vont évoluer après toute cette machine de redistribution. À gauche, vous avez une espèce d'échelle sociale où chaque barreau représenterait 3 millions de Français classés des moins aisés aux plus aisés. Et donc vous voyez que cette échelle, elle a trois barreaux qui sont assez écartés. Donc là, c'est tous ceux qui sont sous le seuil de pauvreté. Ensuite, des barreaux très très resserrés parce que le système redistributif français, il est très concentré sur les ménages pauvres et populaires. À travers tous ces éléments, on pourra revenir. Et puis ensuite, le haut de cette échelle, les barreaux sont de plus en plus éloignés. D'ailleurs, vous avez vu que le 20e barreau, je n'ai pas pu le représenter sur ma diapositive parce qu'il doublerait la taille de l'échelle par rapport au 19e. Voilà la représentation que vous pouvez avoir de la société française par groupe de 3 millions d'habitants. Et ensuite, et je termine là-dessus, si je reprends mes deux catégories de diplômes, j'ai rajouté aussi ceux qui ont un niveau bac, mais reprenons les deux extrêmes. Donc, personne qui est sans diplôme, en prenant tout en compte à la fois ce qu'il va recevoir comme salaire, mais aussi comme redistribution, mais aussi comme gratuité, commencera à un équivalent de 24 750 euros et progressera donc en fin de carrière, entre guillemets, on fait des grosses moyennes entre 50 et 65 ans, mais de 9 000 euros. Et à l'opposé, celui qui a un diplôme de bac plus 3 ou plus, c'est l'extrême droite de ma diapositive, commencera un peu plus haut, mais pas de manière décisive, 3 250 euros de plus. Donc vous voyez qu'entre les jeunes, il y a des différences en fonction du diplôme, mais c'est surtout en cours de carrière que ça se forme, et il y aura une différence de 31 000 euros entre le début et la fin. Donc vous voyez que la redistribution se fait, elle est très puissante en France, on a vu le classement par rapport aux autres pays de l'OCDE, mais en même temps, en fonction de son diplôme qui dépend quand même assez fortement de celui de ses parents, on n'aura pas le même déroulement de, entre guillemets, carrière professionnelle. Et ceci intègre tout, le fait que quand vous êtes diplômé, vous allez par exemple commencer plus tard, mais vous allez avoir une plus grande espérance de vie. Quand vous êtes plutôt de catégorie sociale, vous allez avoir des périodes de chômage où vous allez être dans des premiers temps de votre vie parents isolés, souvent femmes isolées, et vous allez avoir des carrières plus compliquées. C'est un tableau qui essaie de prendre tout ça en compte et qui vous résume un peu ce que peut être la mobilité sociale en France. C'est des espèces de tapis roulants, mais qui partent d'endroits décalés et qui ne vont pas à la même vitesse. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marc. Pour un panorama extrêmement précis et riche, je ne doute pas que vous aurez à cœur peut-être de revoir ce genre d'éléments pour en creuser différents aspects. Mais il y a une dimension qu'on n'a pas tant abordée que ça, qui est un peu le retour sur la longue période, parce qu'on s'est beaucoup voyagé dans l'espace en comparant d'un pays à l'autre. On a creusé différentes catégories sociales, des diplômes, mais on n'a pas regardé tant que ça ce qui se passe sur longue période pour prendre aussi un peu de recul par rapport à cette dynamique des inégalités. Et c'est ce que Bertrand Garventi du CREST et de l'IPP va nous présenter comme dernière présentation pour cette session sur inégalités et redistribution. Je te donne la parole, Bertrand. Merci beaucoup. Absolument. Alors, par contre, ça, ce n'est pas la première diapositive. Voilà. OK. Merci beaucoup.
Donc, ce que je vous propose, c'est de recommencer avec un indicateur dont Orsetta nous a parlé, qui est ce qu'on appelle la part du revenu total détenu par les 10% d'individus les plus riches en revenus. Donc, revenu total, c'est à la fois les revenus du capital et les revenus du travail. Et si on regarde sur ce graphique la partie rouge, donc on a en rouge foncé la part du revenu national, donc du revenu total en France, détenu par les 10% d'individus qui possèdent le plus de revenus avant redistribution, et en rouge clair, après redistribution. Et si on regarde en bas du graphique, on a la même chose pour ce qu'on appelle le bottom 50%, c'est-à-dire les 50% d'individus les moins riches en revenus, donc orange foncé avant redistribution, orange clair après redistribution. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on part en début de période, donc là, la période, elle va de 1900 à 2018, on part en 1900, au début du XXe siècle, avec un niveau d'inégalité assez élevé, où les 10% d'individus les plus riches en revenu total possèdent à peu près 50% du revenu national complet. Ce qu'on voit, c'est que, assez rapidement, cette part va décroître au cours du temps, à partir du début de la Première Guerre mondiale jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est dû tout simplement au fait que, une des forces qui explique les revenus, les inégalités de revenus total, comme le disait Orsetta, c'est finalement les revenus du capital. Et les revenus du capital vont être très affectés par la Première Guerre mondiale, par la Seconde Guerre mondiale, par l'entre-deux-guerres. Il va y avoir des destructions, il va y avoir des banqueroutes suite à la grande crise, il va y avoir des phénomènes inflationnistes qui vont être très défavorables aux gens qui bénéficient des bons du trésor, c'est-à-dire des obligations d'État. Il va aussi y avoir un contrôle des loyers qui va être mis en place, une fiscalité qui va devenir de plus en plus progressive, et des nationalisations qui vont intervenir après la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ça va être très défavorable aux détenteurs de capital, donc de patrimoine, jusqu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'on voit après, si on continue de regarder l'évolution de la courbe rouge foncé, c'est que les inégalités vont recommencer à augmenter. Ça, c'est ce qu'on appelle la procyclicité des inégalités. En période de cycle économique favorable, les personnes qui sont un peu mieux loties que les autres, généralement, bénéficient plus de la croissance économique. Et donc, on observe une hausse des inégalités de 45 à la fin des années 60. Évidemment, le point où les choses changent, c'est 1968. Avec les événements de mai 68, on va avoir une hausse importante du salaire minimum, où le salaire minimum va augmenter en pouvoir d'achat réel de 20%. Il va bénéficier ensuite d'une indexation beaucoup plus favorable, et dans les années qui vont suivre, il va même augmenter plus rapidement que le salaire moyen. Et donc ça explique une partie de la baisse qu'on observe entre 1968 et le début des années 80. Le début des années 80 avec le tournant de la rigueur 82-83, où on va avoir une désindexation des salaires et un calcul de l'augmentation du salaire minimum qui va être moins favorable, et à partir de là on va voir apparaître une hausse de cette courbe rouge foncé, donc la part des revenus total détenus par les 10% d'individus les plus riches dans la population. Donc généralement, comme ça a déjà été dit, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui se passe après redistribution, c'est-à-dire après les impôts, après les transferts. Donc là aussi, on est dans la même perspective que celle que présentait Jean-Marc, c'est-à-dire en prenant en compte une redistribution élargie. Et donc on voit avec la courbe rouge claire que, évidemment, les inégalités sont plus basses après redistribution qu'avant. Et donc l'écart entre les deux, c'est cette redistribution entre le rouge foncé et le rouge clair. Ce qui est intéressant de noter, c'est que quand on regarde sur longue période, et c'est vrai aussi si on veut comparer entre pays, les inégalités après redistribution sont aussi très fortement déterminées par les inégalités avant redistribution. Ça ne veut pas dire que la redistribution ne compte pas. Je pense que là, on est, après les présentations qui ont eu lieu, on est tous persuadés que la redistribution, c'est important. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut aussi faire attention à ce qui se passe avant redistribution. Et en particulier, ça nous rappelle qu'en plus de la redistribution, il y a quelque chose qu'on appelle parfois la prédistribution. La prédistribution, c'est quoi? C'est finalement toutes les choses qui vont jouer sur les inégalités avant impôt, avant transfert, c'est-à-dire avant redistribution. Typiquement, avec le choix du système français qui est de financer largement le système d'éducation, le système de santé, comme cela a été évoqué, on va aussi avoir un effet sur les revenus avant impôts et avant transfert. Puisque si vous permettez à un plus grand nombre de gens d'accéder au système éducatif, d'accéder aux études supérieures, ça va permettre de former un plus grand nombre de gens et donc que ces personnes-là puissent prétendre à de meilleurs salaires. Et donc, avant même de prélever des impôts et avant même de leur donner de l'argent par les transferts, vous réduisez
les inégalités avant impôt, avant transfert. Et c'est vrai aussi finalement du système de santé, en permettant aux gens de se soigner le mieux possible, vous leur permettez d'être en meilleure santé sur le marché du travail. Évidemment, il y a d'autres phénomènes qui rajoutent à la prédistribution, c'est, comme je le mentionnais, des choses du type salaire minimum, c'est-à-dire des phénomènes de régulation. Tout ce qui va jouer sur la fixation des salaires, que ce soit pour les salaires les plus bas ou même pour les salaires les plus hauts, donc ça peut être le salaire minimum, ça peut être la syndicalisation, ça peut être des règles de fixation des salaires des grands dirigeants, ça aussi, ça va jouer sur les inégalités avant redistribution. Donc pour compléter ce panorama, puisque je vous disais que ce qui était important, c'était les revenus du capital, je veux bien qu'on passe cette fois-ci à la seconde slide, qui cette fois-ci vous montre la manière dont a évolué la concentration du patrimoine, c'est-à-dire les inégalités de patrimoine au cours du temps. Donc là, on part carrément en 1800, c'est-à-dire le 19e siècle, et si on regarde la courbe verte, c'est le patrimoine total détenu par les 10% d'individus les plus riches en patrimoine cette fois-ci. Ce que ça nous dit, c'est que, au début de la période, au 19e siècle, on a à peu près 80% du patrimoine total qui est détenu par les 10% de personnes les plus riches en patrimoine. Et là encore, ce qu'on voit apparaître à partir du début des années 1900, début de 1914 jusqu'au début des années 80, c'est une décroissance assez nette des inégalités. Donc, elle est due à ce que j'expliquais. Pendant les guerres mondiales, on va avoir des destructions, on va avoir des banqueroutes pendant l'entre-deux-guerres, on va avoir des phénomènes inflationnistes, mise en place d'une progressivité plus forte au niveau de l'impôt. Et ce qui est important, c'est ce que disait Orsetta aussi, c'est que finalement, le patrimoine, c'est quelque chose de cumulatif. Donc, si vous affectez la capacité des gens à épargner, en particulier des plus riches à épargner, toute déviation par rapport à ce que vous avez observé précédemment va s'accumuler au cours du temps. Et c'est ce qu'on observe avec cette baisse progressive des inégalités, c'est que finalement la capacité d'accumulation des individus les plus riches va être entravée par cette fiscalité progressive et par les différentes régulations qui ont été mises en place. Et donc on observe à partir du début des années 80 un changement et une légère hausse des inégalités. Et ce qu'on voit, c'est qu'on voit une petite bosse, vous devez la voir autour des années 2000, et ça, on voit que désormais, les inégalités vont être beaucoup plus sensibles au prix des actifs. Et donc là, la petite bosse des années 2000, c'est typiquement ce qu'on appelait la bosse Internet, avec des actifs financiers qui ont beaucoup augmenté, puis qui ont beaucoup diminué dans les années qui suivent. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est la courbe bleue. Donc ça, c'est la classe moyenne. Si vous avez les 10% les plus riches, les 50% les plus pauvres, entre les deux, vous avez 40% d'individus qui sont entre les deux. Et vous voyez que finalement, c'est celle qui a profité de cette décroissance des inégalités, et donc avec une hausse du patrimoine détenu par la classe moyenne qui passe de 20% en début de période à peu près 40% en fin de période. Et donc aujourd'hui, si on se concentre sur les inégalités, c'est-à-dire la courbe verte, on voit qu'on est sur un niveau d'inégalité évidemment beaucoup plus faible. Les 10% d'individus les plus riches possèdent autour de 55% du patrimoine total comparé aux 80% du 19e siècle. Et pour terminer avec les questions d'égalité des opportunités qui ont été abordées par Jean-Marc et par Orsetta, on va peut-être passer. Ça, c'est pas bon signe. Voilà, super. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce graphique? C'est ce qu'on appelle le lien entre le patrimoine des enfants et le patrimoine des parents. C'est-à-dire, on a sur l'axe des Y ce qu'on appelle la corrélation rang-rang, c'est-à-dire qu'on classe les parents sur une échelle de 1 à 100 en fonction de leur patrimoine. À 1, on a les plus pauvres en patrimoine. À 100, on a les plus riches en patrimoine. On fait pareil pour les enfants. Et on regarde le lien entre les barreaux, les rangs des parents et les barreaux des enfants. En violet, on voit l'évolution pour la France de cette corrélation entre parents et enfants. Donc on voit que là, on a les années de naissance des enfants. Donc on commence à l'immédiate après-guerre, 1943-1947. Donc ce sont les enfants qui sont nés après la guerre. Et on voit qu'à cette période-là, la corrélation est beaucoup moins forte que ce qu'on observe après. Le point violet est à peu près à 0,2, ce qui veut dire que entre des parents 10 rangs au-dessus d'autres parents, leurs enfants, en moyenne, auront un rang, deux rangs au-dessus des parents les plus pauvres. On voit que cette courbe violette, elle va augmenter, ce qui est assez logique, après tout ce qu'on vient de dire sur le fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, le patrimoine a beaucoup été détruit, il y a beaucoup moins de patrimoine dans l'économie. Évidemment, dans l'immédiate après-guerre, vous avez moins de patrimoine à transmettre à vos enfants, et donc votre capacité d'accumulation du patrimoine va beaucoup plus dépendre de vos revenus, de vos opportunités professionnelles.
Ça va augmenter à mesure que le capital va réaugmenter dans l'économie. Et aujourd'hui, on est autour de 0,30, 0,35, ce qui nous met un peu en dessous des États-Unis et de la Suède et un peu au-dessus du Danemark et de la Suisse. Donc autour de 0,30, 0,35. Donc encore une fois, si vos parents sont 10 rangs au-dessus de parents un peu plus pauvres, en moyenne, votre rang à vous sera 3 à 4 rangs au-dessus des enfants de ces parents-là. Merci beaucoup pour cette présentation, cette perspective historique. Alors, cher auditoire, j'espère que vous avez apprécié cette balade sur ces questions d'inégalité, leurs mesures, des dynamiques dans le temps, avec une situation marquée par l'histoire, notamment l'impact des guerres mondiales et un niveau d'inégalité qu'on peut relativiser si on le regarde sur la très longue période par rapport au 19e siècle. Un mécanisme redistributif puissant, vous décrivez bien Jean-Marc ou Elvire, avec des redistributions fortes selon le... un peu au cours de la vie, mais tout de même une question sur les opportunités, l'inégalité d'opportunités ou le fait que les inégalités vont se reproduire aussi dans le temps, notamment pour le patrimoine, forcément en raison de ces accumulations. Donc, panorama riche, et une session de questions-réponses est ouverte. Alors, je ne sais pas quel est le... Comment on peut être... Il arrive, très bien. Donc là, derrière. Bonjour. Oui. Alors, j'ai une question, c'est pour madame de l'OECD. Je suis très interpellé, c'est par les résultats de PISA. C'est de voir en effet qu'il n'y a pas, c'est surtout les inégalités entre les gens, les migrants, et disons les autres, d'accord. Comment on explique qu'il y ait ce mauvais résultat du PISA pour les enfants des migrants? Lorsque vous avez montré les résultats mathématiques pour PISA, d'accord, vous avez montré vous montrez l'amélioration selon les catégories. Et pour les migrants, pour les fils des migrants, ça c'était pire. Il y avait un problème de résultat des migrants selon le PISA. Et j'aimerais comprendre ça. Je suis très interpellé par ça. Qu'est-ce que vous avez comme explication? Est-ce que c'est une faille dans l'éducation qui n'a pas pu... enseigner bien toutes les différentes catégories ou les difficultés d'intégrer les enfants des migrants, des parents qui, par exemple, ne parlent pas bien le français? C'est quoi? Je suis vraiment interpellé par ça. Est-ce que je me suis bien expliqué? Est-ce que j'ai bien expliqué la question? Oui. Merci pour votre question. Alors, en fait, sur la slide que j'ai montré les résultats PISA. En fonction du statut socio-économique des parents. Premier quartile et dernier quartile. Donc, cette slide, c'est pas sur les natifs versus les migrants. J'ai montré une slide sur le taux de chômage. D'accord ? Donc, sur cette slide en particulier, on peut rien dire par rapport à la performance des migrants et des natifs. Après, vous avez raison, et les données existent au niveau de PISA, les élèves issus de l'immigration vont avoir tendance à avoir des performances moins bonnes, mais cela en grande partie uniquement dans la mesure où ils vont effectivement faire aussi partie des milieux peut-être plus défavorisés. Donc lorsque ces deux dimensions se croisent, on va observer effectivement un écart. Mais ici, dans cette slide, on ne peut pas vraiment le dire. On regarde uniquement en fonction du statut socio-économique qui inclut le revenu, l'éducation, etc. D'accord ? Après, si vous avez sur le site de l'OCDE, je fais un peu de pub pour PISA, vous allez avoir un nombre incalculable de dimensions que vous pouvez regarder, et vous pouvez effectivement regarder les migrants. Et d'ailleurs, je pense,
de première et de deuxième génération. Et c'est quelque chose qui a attiré beaucoup d'attention. Et ça, par exemple, en Allemagne. L'Allemagne a été un pays qui a été vraiment touché par de mauvais résultats dans ce sens-là et qui a fait beaucoup d'efforts pour redresser la barre. Donc, je pense que votre question est importante. Elle ne se voit pas ici, mais elle est probablement vraie. Et d'ailleurs, si après on regarde le taux de chômage quelque part, bon, il doit y avoir un lien entre l'éducation et après l'accès au marché du travail. Voilà ce que je peux répondre. Ben, est-ce qu'il y a des explications ? Bien entendu, il peut y avoir des explications au niveau de l'intégration, au niveau du fait que les parents peut-être viennent de milieux plus défavorisés, peut-être dans des logements qui sont surpeuplés, avec des difficultés d'accès aux aides sociales, avec des difficultés de la langue, et tout ça va avoir un impact évident sur l'apprentissage des enfants à l'école. Ça, c'est évident. Peut-être un des points, c'est qu'effectivement, on a beaucoup regardé des résultats et des mesures de l'inégalité, mais il faudra une autre session pour explorer les mécanismes un peu plus détaillés par lesquels ces inégalités se développent, se font jour. Je crois qu'il y avait une question derrière, et ensuite il y avait ici. Peut-être, oui, effectivement. Pour vous de prendre trois... Oui, merci. Donc, ma question est à vous, madame. Concernant les écarts de revenus entre les femmes et les hommes, j'aurais souhaité savoir ce que vous avez observé en longue période, sur 15 ou 20 ans, et j'aurais voulu savoir si c'était plutôt le salaire des femmes qui montait vers ceux des hommes ou l'inverse, et quels étaient les facteurs explicatifs. On va prendre une deuxième question. Oui, enfin, moi, c'est plutôt, je vais réagir en fait à ce que disait mon voisin de droite. C'est un British joke, c'est une blague anglaise dite par un ami chinois. Et alors, avec cet ami chinois, on comparait le Royaume-Uni, dont est originaire mon voisin de droite, et puis la France. Et alors, cet ami chinois disait l'énorme avantage des Britanniques, enfin du Royaume-Uni par rapport à la France, c'est que le Royaume-Uni, ils ont les Indiens et vous avez les Maghrébins, c'est-à-dire qu'il y a un paramètre culturel, voire religieux essentiel dans je dirais, les performances scolaires des enfants. Quoi. It was just a joke, Chinese joke. J'ai peut-être un élément du coup pour inégalité homme-femme à long terme. Nous, ce qu'on a regardé en regardant les données fiscales et puis en refaisant quelques calculs depuis les années 70, c'est qu'effectivement, le premier résultat fort, c'est que les inégalités de revenus du travail entre hommes et femmes n'ont rien à voir aujourd'hui avec celles des années 70 où il y avait un écart qui était très important et qui était très fort au cours du cycle de vie. Cet écart s'est considérablement réduit avec en fait l'entrée sur le marché de plus en plus de femmes. C'est-à-dire en fait un des vraiment éléments importants pour expliquer la longue période, en tout cas depuis les années 70 jusqu'à nos jours, c'est cette présence plus forte des femmes sur le marché du travail. Donc tout simplement un effet de participation. Et après ce qu'on observe au cours du cycle de vie encore en France, c'est qu'effectivement il y a un moment où il y a un décrochage, c'est-à-dire les inégalités de salaire homme-femme, elles sont plus faibles en début de carrière qu'en fin de carrière, probablement à cause d'un phénomène de plafond de verre. Et donc il y a pas mal d'études qui s'intéressent à expliquer cet écart de salaire entre femmes et hommes, et une grosse partie met en évidence ce qu'on appelle le child penalty, c'est-à-dire le fait qu'à partir du moment où les femmes ont des enfants, leurs revenus ont tendance à décrocher un peu de celui des hommes, à cause du fait qu'avoir un enfant va coûter en termes de revenus aux femmes. Merci. Je crois qu'il y avait une question là-haut. Oui, bonjour. Est-ce que vous pensez que le revenu universel est un bon moyen pour résoudre les inégalités ? D'autres... Je vois pas d'autres. Là-bas, en haut à droite, il y avait des questions. Je ne sais pas si vous pouvez arriver à les. Ok. Une dernière là-haut. Et après, on arrête. Oui, bonjour. Alors, vous avez parlé de mettre des moyens pour faire baisser les inégalités. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous entendez par mettre les moyens plus précisément, s'il vous plaît. Ok.
Jean-Marc. Oui, peut-être trois réponses. D'abord, juste un petit complément sur les inégalités femmes-hommes, parce que c'est une question qui est majeure. La slide que vous avez de l'OCDE et les commentaires qu'on faisait jusqu'ici, c'était à poste égal. Est-ce que les femmes et les hommes ont le même salaire? Et effectivement, il y a eu des progrès immenses et il y a le processus que décrivait Bertrand en cours de carrière. L'autre sujet majeur, c'est évidemment pour les inégalités, c'est que quand on regarde tout compris, c'est-à-dire le fait que les femmes s'orientent sur des métiers qui sont moins bien rémunérés, d'ailleurs dont les rémunérations sont fixées dans des conventions collectives qui sont principalement négociées par des hommes, je ferme la parenthèse, mais par exemple les métiers du soin qui sont tout aussi physiques que les métiers d'ouvriers qualifiés sont beaucoup moins payés. Et puis il y a aussi le rapport au temps de travail, qui est en partie lié à l'éducation, mais parfois aussi par du temps partiel subi, fait que quand on cumule tous ces phénomènes, on arrive plutôt à 25% d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, et que quand on fait nos exercices de regarder en fonction des parents quelle est la situation sociale des filles, eh bien il y a une inégalité par rapport à celle des garçons. Donc il y a beaucoup de progrès, mais il y a encore beaucoup d'éléments à faire. Sur votre question sur le revenu universel, vous avez vu, dans notamment cette espèce de fiche de paye que je vous ai montrée, qu'en fait, même s'il n'a pas le nom de revenu universel, dans notre pays spécifiquement, il y a différentes allocations qui constituent à elles tous un revenu, une sorte de revenu universel. Alors ça prend la forme d'aide au logement, ça prend la forme de RSA quand vous avez plus de 25 ans et que vous n'avez pas d'allocation chômage, ça prend en compte les allocations chômage familiales. Bref, vous avez un continuum d'aide qui est assez puissant, puisque je vous ai cité le chiffre de 15 000 euros par an et par personne équivalente quand... lié à l'ensemble de ces aides-là. Le sujet qui se pose par rapport à la question du revenu universel, c'est tous ceux qui ne sont pas concernés. On pense notamment aux personnes en situation irrégulière, on pense aux jeunes aussi qui n'ont pas accès au RSA. Donc la situation pour la France, je ne dirais pas du tout la même chose pour d'autres pays, elle est plutôt de ce qu'on appelle combler les trous de la raquette que d'un seul revenu qui, et c'est pour ça qu'il y a eu toujours des difficultés à mettre en place en France, poserait la question, si c'est uniforme, de dégrader des situations qui sont parfaitement légitimes. Par exemple, les parents isolés ont des aides plus importantes. Et si vous mettiez un revenu universel, alors elle n'aurait plus cette aide additionnelle. Je vous ai posé le problème et pas dit la réponse, mais que vous puissiez y répondre aussi vous-même. Merci. Et peut-être donc dernier point sur le... En fait, non, je voulais juste revenir sur l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Et alors, quand j'ai préparé cette présentation, j'ai hésité à mettre une slide. Après, je me suis dit, c'est peut-être trop précis, mais effectivement... le sujet des heures travaillées, du rapport au travail en termes d'heures travaillées, est un sujet aussi très important pour les inégalités. Et si on regarde en perspective internationale la part du temps partiel subi et les écarts entre les hommes et les femmes, la France se situe très très très, très en haut. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en temps partiel, voilà, subies. En fait, elles aimeraient bien ne pas être en temps partiel, quoi. Et pour des raisons à la fois logistiques, domestiques, mais aussi parce qu'elles n'ont pas trop autre chose, parce que les employeurs n'ont pas proposé autre chose. Les femmes se retrouvent en temps partiel subi. Et après, ça se cumule. Les écarts aussi, le motherhood, child penalty, etc., ça fait des trous dans la raquette du salaire tout au long de la vie, on va dire, qui font qu'après, les femmes vont être plus exposées au risque de pauvreté parce que leurs retraites, peut-être, vont être affectées par les trous. Encore que, bon, en France, quand même, le système fonctionne mieux que dans d'autres pays pour cet aspect-là. Et puis sur le revenu universel, je voudrais juste dire que c'est un sujet qui en fait est beaucoup plus compliqué que ce qu'il ne paraît. Et parce que justement, en fait,
qu'est-ce que c'est, comment on définit un revenu universel et à quoi ça se compare. Et en fonction de à quoi ça se compare, comment on le finance et comment on le définit, bah, c'est pas du tout clair que ça va diminuer les inégalités, c'est pas du tout clair. De même que la même chose pour la pauvreté. Donc à l'OCDE, on a fait des études là-dessus avec des simulations en disant bon, bah, si on le dessine comme ça, si on le dessine comme ça, etc., est-ce qu'on est gagnant, est-ce qu'on est perdant. Et en fait, c'est quand même un sujet complexe et, et c'est pas aussi évident de dire bah, voilà, on va sortir ça et puis comme ça, ça va nous éliminer les inégalités. Voilà. Merci. Alors, c'est là, peut-être, Elvire, tu peux dire un mot sur l'autre question, qu'est-ce que c'est que le périmètre large? Oui, je voulais répondre d'un mot rapide parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais ce que je voulais dire, c'est que la question des moyens est une question évidemment politique, c'est une question de choix de société, donc par définition c'est politique, et que la question telle que je voulais présenter, c'était mon sujet, et la question de qu'est-ce qu'on a envie de socialiser. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en commun? À quel point est-ce qu'on a envie de mutualiser nos besoins et d'y répondre collectivement? Et c'est de là vient la question une fois qu'on a identifié ces besoins et ces choix de société qu'on les a faits, vient la question des moyens qu'on veut mettre. Et pour avoir des moyens, eh bien, il faut prélever. Voilà, mais ça faisait écho, on n'a pas le temps malheureusement de traiter tout ça, mais ça faisait écho aussi à la question du consentement qui avait été soulevé juste avant. Voilà. Je crois que la question de ne pas avoir le temps, effectivement, on est au bout de cette séance. Sujet extrêmement riche. Merci encore aux intervenants pour leur apport passionnant et à votre instance.